Stay At Home Kitchen numéro 19, spécial voyage. Bonjour, je suis Cyril Rouquet-Prévost, je vous invite à me suivre sous ce beau soleil de la Martinique. On va parler canne à sucre, de la plantation jusqu'à la distillerie. C'est une véritable route du Rhum que je vous propose. Comme on ne peut pas voyager, j'amène des Antilles chez vous. On va découvrir comment on fabrique le rhum et surtout comment le cuisiner. Suivez-moi dans les plantations en quad, une fois le casque mis, c'est parti. Les cannes à sucre aujourd'hui, elles se ramassent mécaniquement, mais on a gardé le savoir-faire à la main. Alors arrivée à la distillerie, elles sont pesées et contrôlées. La seconde étape, c'est le broyage. Les cannes à sucre sont broyées par toute une série de moulins et régulièrement aspergées d'eau. Cela facilite l'extraction du jus. J'ai rencontré Daniel Baudin, maître de chez de la maison La Mauny, qui va nous expliquer comment bien déguster le rhum. Je vais faire le montant, donc je vais aller regarder ce que mon nez commence à percevoir et à quel niveau. Deuxième repère, sous le menton ici, donc ça va confirmer le premier. On va faire un troisième nez, toujours sans agiter, parce que c'est vrai qu'on a souvent le repère et le geste de celui qui a l'habitude de consommer du vin. C'est trouver la bonne distance entre le nez et le vin. Rappel, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Un petit punch, c'est un CRS, donc c'est du rhum, du sucre et du citron. Et on va tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ça, c'est pour étourdir le rhum avant qu'il nous étourdisse. Merci à la maison La Mauny de m'avoir accueilli. Et maintenant, on va cuisiner ce rhum avec une première recette de Prisca, un bœuf rhum chocolat. Pour le dessert, je vous propose une tarte tatin rhum ananas. À très vite pour de nouvelles recettes. Abonne-toi.